Bonjour à tous les frérots et les blanquettes, je suis en live pour faire quelques multi-invocations. Voilà, Gogeta Intelligence et Janemba Puissance sont sortis sur la globale. Et j'ai besoin, comme d'habitude, du Genki Pouce Bleu, des frérots, de tous ceux qui portent la chance. Venez sur mon live, et puis les personnes qui verront cette VOD, bah, venez sur cette VOD et donnez-moi de la chance. Ce qui paraît, la chance, ça se transmet hein, par la pensée, par les bonnes ondes, tout ça. Alors, beaucoup de polémiques par rapport au portail Gogeta et Janemba, les gars. Alors moi, je joue sur les deux versions. Je suis passé par le portail Gogeta, Intelligence et Janemba Puissance il y a déjà un certain temps. Il y a 4 mois à peu près. Là, ce que je vois là, sur la globale, pour moi, ça, c'est ce qu'on avait... Enfin, ça, on n'a pas. Hein, tout ça, là, super solde sur les multis, on n'avait pas ça. On avait juste 3 multis, 4ème offerte, et c'est tout. Là, qu'est-ce qu'on a? Première multi à 10 DS. Ok, c'est que 3 cartes, ok, bon. Mais c'est quand même 10 DS. Si on fait le ratio d'une multi, une multi c'est 50 DS, on récupère 10 cartes. Donc là, 3 personnages pour 10 DS, si on voulait récupérer 10 cartes, on aurait dû claquer 30 DS. Donc 30 DS pour moi, vous allez dire 9 cartes, mais bon, hein, on va arrondir vers le haut, hein, chipotez pas. Donc c'est quand même une réduction. Deuxième multi, 20 DS pour 5 cartes. Si on raisonne en multi, en multi avec 10 cartes, en gros, on aurait eu la multi à 40 DS. Sur la Jap, c'est 50 DS à chaque fois. Là aussi, il y a une promo. Troisième multi, 40 DS. Excusez-moi, mais c'est aussi c'est une promotion également. Ensuite, quatrième multi, elle est gratuite. Ça n'a pas bougé. De la cinquième multi à la septième multi, 50 DS, ça, là on revient à la version Jap, c'est pareil. Là où ça change encore, voilà, une nouvelle fois ça change. Au bout de la 8ème multi, qui est gratuite d'ailleurs, on récupère un ticket invocation portail A ou portail B. On va y arriver. C'est pas fini, l'effet. Vous allez dire, mais attends, mais ça aussi on n'avait pas eu les tickets. On n'avait pas ces histoires de tickets. De la 9ème multi à la 11ème multi, toujours à 50 DS, on a une multi invocation. Quantité aléatoire. De la 9ème à la 11ème multi-invocation, on récupère des tickets de manière aléatoire. Je crois que ça va de 1 à 5. Et ce sont des tickets apparemment SSR garantis. Ouais. À partir de la 12ème fois, gratuite. Et après, après c'est rebolote. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu as fait 8 multi, toutes les multi que tu vas faire par la suite vont te permettre de récupérer des tickets qui vont te permettre de récupérer des tickets SSR garantis qui vont te permettre donc du coup d'invoquer sur un portail avec pour récupérer des SSR. On va checker les portails en question et vous allez voir que franchement c'est pas dégueulasse. C'est pas SSR garanti, on me dit. Attendez. Il y a un deuxième portail si je dis pas de bêtises. Attends. Personnage du code. Attends, si regardez. Personnage du festival d'Okan garanti A. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est ticket personnage du festival d'Okan garanti. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une carte parmi celles-là, en fait. Alors, dites-moi sur le chat un seul ticket SSR garanti. Ah, il y a un seul ticket. Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, on récupère des tickets... Attends, en fait, il y a trop de portails. Attends. Ça, c'est les portails normaux. Ça, c'est les portails SSR garantis. Nouveau Gogeta SSR arrive avec Fraka, ok. Tu l'en reçois qu'une seule fois, d'accord. Donc, t'as un ticket SSR garanti quand même. Ok, je me suis trompé. Donc, on a un ticket SSR garanti et ensuite, les autres tickets, en fait, ce sont SR minimum. SSR pas garanti. Alors, moi, on en a reçu deux normalement en jouant. Enfin, en se connectant, je crois qu'on a... les deux que j'ai là, ce sont les deux tickets que j'ai obtenus en me connectant. Donc tout ça, on n'avait pas sur la globale, les gars. Donc c'est des cartes en plus. Et on a la possibilité de dropper un SSR, les gars. Je voudrais pas dire. Bon, après, bon, vous allez voir, le portail, il est un peu cheaté. Hein. Enfin, cheaté dans le sens où il y a tellement de cartes que la possibilité de dropper, j'avoue que c'est compliqué. Mais on a quand même un SSR garanti. Comme j'ai dit, au bout de la 9ème. On a au moins un ticket SSR garanti. Donc on a au moins un SSR au bout. Bon, après j'avoue que si au bout de 9 multi t'as un seul SSR, j'avoue que c'est un peu la rage hein. Bon, bref de bavardage,
On a 224 DS, on est capable en théorie de faire 8 multi. Du coup, on a le seum, on n'aura pas de faire, enfin, on n'aura pas de quoi faire une 9e multi. Je vais devoir farmer les DS rapidement pour faire la 9e multi et récupérer peut-être quelque chose. Donc, sur ce portail, évidemment, on veut ce Gogeta Intelligence. Hein, et voilà, leader Neo God Super Intelligence. Omega Shenron, j'ai déjà deux fois, donc j'ai un doublon. Après, je suis pas compte pour des doublons. Trunks Ikari, j'ai droppé. Pas de doublon pour l'instant, même si c'est pas l'objectif. Buan, j'ai toujours pas Buan. Hein, moi, Buan, je le veux bien. Golden Freezer, j'en aurais vraiment besoin si un jour j'ai envie de faire l'Extreme Z Battle. Donc, qui arrive normalement d'ici 4 mois, 5 mois sur la globale. Parce que Golden Freezer Tech, c'est ton gars sûr hein, pour tanker contre le Goku SJ3. Donc, j'aimerais bien le dropper. Alors là, je serais vraiment content de le dropper. Le Beerus, non. Même si je l'ai pas, je dis non. Hein, c'est pas. Ah oui, il y avait un DS à récupérer, c'est vrai que je l'ai pas fait. Gogeta, j'ai déjà deux doublons. Pourquoi pas? Et Lee Shenron, j'aimerais bien en avoir parce que je vais pouvoir monter l'aspect de Omega de cette manière. Donc c'est vrai que j'ai encore 20 DS à récupérer, mais bon, j'aurais pas de quoi faire une deuxième multi. Ensuite, Janemba, on va checker rapidement. Bah, Janemba, il vit bien, mais j'avoue que pour le Super Battle Road, il se fait ouvrir. Hein. La garde activée, ça ne sert à rien. Au Super Battle Road, ça ne sert à rien. Son esquive est intéressant, mais c'est que 33%. Donc quand il esquive pas, bah, il se fait démonter la gueule. Alors c'est bizarre, en fait, ils ont trade des unités super avec des unités... Enfin, ils ont mélangé des unités super et extrêmes. C'est vraiment très bizarre ce qu'ils ont fait là. Gogeta SJ4, je l'ai déjà, pas de doublon. Oh, mais lui, j'ai pas, du tout. Je dirais pas non. Alors, après, je suis pas sûr d'invoquer là-dessus. Le Cell, je l'ai pas, mais ça m'intéresse pas. L'Omega, je l'ai pas, mais je dirais pas non. Janemba Endurance, je l'ai déjà. Et lui, il sert à monter l'aspect de lui... Enfin, des différents Janemba en fait. Parce qu'en fait, il peut s'éveiller en Janemba agilité. Pour l'instant, je pense qu'on va tout mettre ici. Alors, sur la Jap, ici, on avait Goku SJ4. Et là, on avait le Goku SJ3. J'avoue que là, j'avais paqué pour ça en fait. C'est pour ça que j'ai pas invoqué sur le portail SJ3 Goku Ange. Du coup, j'ai un peu le seum. Mais après, comme j'ai dit, je suis pas contre d'avoir le Golden Freezer Tech. Parce que si un jour j'ai envie de faire le Super Battle Road. Enfin, l'Extreme Z Battle, il me faut le Golden Freezer Tech. Donc c'est parti pour la multi-invocation à 10, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus. Là c'est mes DS free to play, au bout de 220 j'ai plus rien. Il me reste encore les 20 DS de la box mais... Ouh, oh là là, oh là là, on a le Shenron. Oh merci beaucoup les gars. Oh merci, oh oui, continuez à donner vos bonnes ondes, les bonnes ondes. Donnez-moi votre énergie les gars. Au moins on a un SSR, voilà, on part pas à bredouille. Ok, pour monter l'aspect, Lee Shenron, donc il m'en faudrait 9. Ah, je ne l'avais pas, je prends. Le Vegeta divin puissant, je ne l'avais pas. Il a un éveil en plus, son éveil est pas dégueu. Je pense que je peux remplacer la pan pas ouf la puissance que j'ai là, waifu. Enfin, waifu, tu vois ce que je veux dire ou pas? On a au moins un SSR. Ce qui est bien que quand t'es free to play, bah, c'est que t'as pas beaucoup de cartes. Et chaque nouveau SSR, bah c'est un cadeau. Deuxième multi. Pour l'instant, on est bien. Oh, encore un Shenron. Oh là là. Oh là là. Krinos, le sel. Mais non, mais arrêtez. En fait, quand je joue free to play, j'ai pas la même mentalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, j'ai pas beaucoup de cartes sur mon compte global. J'ai certaines cartes OP, mais j'ai pas une box large. Donc là, tout ce que je drop en fait, c'est des nouvelles cartes. Donc, je ne comprends pas la polémique, les amis. Parfois, il faut savoir apprécier ce qu'on a. Parce que Gogeta intelligent, c'est bien. Mais ok, il y a 2-3 modifications par rapport au portail. Oh oui, le Trunks Ikari. Bah, c'est mon premier doublon. Premier doublon, du coup, je vais pouvoir lui donner. Le critique, parce que en fait, tout ça là, si j'avais droppé ça sur la jab, j'aurais pleuré évidemment. Parce que pour moi, tout ça c'est des doublons. Un petit doublon que je. Voilà, je crache pas dessus. MDR, j'ai eu Gogeta Intelligence. Bah, GG, hein. Plus de Shenron. Bah, j'espère. Oh là là, 3 Mais non! Est-ce que ce soir c'est ma soirée? Que se passe-t-il? Comment se fait-ce? Oh là, c'est quoi cette musique? Donc après là, j'avoue que actuellement sur la globale je suis pas très actif. Je me pose la question, est-ce que je continue ou pas mon compte global? Parce que refaire
Non mais les gens, mais ce qui est horrible, ça va renforcer la théorie comme quoi je travaille chez BAMCO et que j'ai négocié à travers un contrat au noir, j'ai négocié un taux de drop à 11%. Hein, tout ça, ça va renforcer cette théorie. Et moi, ça me saoule. Hein, je travaille pas pour eux, les gars. Hein, je suis pas le stagiaire, c'est pas moi. C'est pas moi le fameux stagiaire. Ok, je drop parce que mon karma il est propre. Tu vois, je le lave avec Myrlène. Je frotte. Hein, tout le caca, tout ça, là, hop, je le dégage. Je fous pas le seum. Je crache pas sur les gens. Hein, voilà, ça c'est la base hein, pour avoir un karma propre. Et voilà, je drop. C'est comme ça, c'est la vie. Oh là là, je suis refait. Mais ça encore, c'est grâce à toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages là sur le chat en disant oh, Brice, je te donne ma luck. C'est bien de donner la luck. Ça c'est une bonne mentalité et ça fait plaisir les frérots. Merci beaucoup Romaric. Mais ça c'est grâce à toi, hein. Enfin, grâce à toi et à toutes les personnes qui m'ont souhaité de dropper le Gogeta. Quand vous m'envoyez des bonnes ondes, je les capte les gars. C'est comme le chakra, je le sens. Enfin le chakra ou le ki, c'est pareil. Bon bah on a fini le portail. On fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait les gars? On va sur Janemba. Best réaction ever. C'est quoi cette chatte? Bah je sais pas. Comme j'ai dit, le karma les gars. Ne foutez pas la merde avec votre karma. N'insultez pas vos darons. Travaillez bien à l'école. N'insultez pas les autres. N'insultez pas les waifus. Soyez pas un enfoiré dans la vie. Volez pas les gens. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. C'est la multi à 40 DS. C'est sympathique quand même. Merci beaucoup à Bamco. Ouais, je la redonne. Mais là, je la redonne au frérot. Je la redonne à tous les membres de la TTF. Vise le Freezer maintenant. Ah oui, c'est vrai, le Golden Freezer Tech. Vous allez voir, je vais pas le dropper. Vous allez voir. La carte que je veux. En plus, enfin après, Gogeta, je le voulais, mais. Si je le drop pas. En fait, je vous dis clairement, si j'avais pas drop. Enfin. Si je dropais pas Gogeta intelligent, je m'en foutais en fait. Parce que pour moi, la méta Gogeta CJ4 et la méta Fusion Métamol et la méta Dragon Maléfique, elle est supérieure. Donc c'est pas voilà, c'est pas grave en fait. Bon, on va mettre comme le cadenas, les gars. Hein. Ce serait dommage de le vendre chez Baba. Ah oui, Bouane aussi, je l'ai pas. Allez, Bamco. Jamais 403, c'est ce qu'on dit, non? Du coup, Bouane et Golden. Comme ça. Ah non, plus d'Omega Shenron. Plus de Shenron, pardon. Par contre, Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est la vie. Du coup, je vais boire un peu d'eau. Vise le doublon. Si j'ai le doublon, c'est cool, mais c'est pas hyper grave dans la vie. Hein. De toute façon, là, avec la méta Fusion Métamol, je tape sur tous les. Enfin, pour moi, les events, c'est tellement simple. Il n'y a plus de challenge. Un deuxième Lee Shenron. Donc là j'ai de quoi le SP 3. Donc c'est vraiment pas grave de dropper Jean-Claude Van Damme. Tout ça parce que je bois de l'eau. Eh, vous êtes des jaloux. Donc non, pour l'instant moi je suis content, j'ai la meilleure méta fusion. Enfin Dragon Maléfique. Un joueur Final Fantasy Brave Exvius qui n'a rien à poule avant février, qui te passe toute sa luck. Genki luck. Merci beaucoup, Gargash, t'as rien droppé. Avant février. Ah merde. Alors Final Fantasy Brave Exvius, j'ai un compte mais je peux pas jouer à autant de jeux gacha, de gacha en fait. Ah oui, El Famoso, Jean-Michel tête de couille. Panda 91, regarde le détecteur Gogeta. Ou mieux. C'est SR ou mieux, tu vas être surpris Brice. Oui, j'ai regardé le détecteur, il y a 6 milliards de cartes. Catégorie fusion et métamol, c'est la même. Ah oui, catégorie fusion métamol. Ah bah multi cacarotte. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai de quoi de faire une troisième multi. Enfin, deux autres multi. Ou est-ce que je vais sur l'autre portail? Parce que, bon, ok, c'est vrai que je l'aimerais bien. Enfin, les deux, je les ai pas là. Bah, dites-moi dans le chat, là, pendant que je réfléchisse. Parce que là, du coup, je peux peut-être invoquer ici. D3 là. Enfin, il y a. En fait, il y a juste couleur qui pourrait m'intéresser en fait. Comme j'ai dit, Janemba, il est sympa. J'avoue qu'il est sympa. Mais c'est pas la priorité dans ma life. Hein. Ma life. Moi, la méta fusion, enfin Dragon Maléfique, elle est. Tu vois, elle est là. J'ai pas besoin de Janemba en fait. Voilà, Janemba. Ah oui, c'est tous en mode Janemba. J'avoue que il y a juste couleur qui m'intéresse.
Bon, après, Janemba. Lui, je l'ai déjà. Je cherche pas les doublons en fait. Quand t'es free to play, tu cherches pas les doublons. Sur le portail Gogeta, t'auras des tickets. J'avoue que les tickets, je serais pas contre en fait. Là, juste pour avoir couleur, j'avoue que c'est pas. Si t'es free to play, arrête d'invoquer. J'avoue. Non, non, là, j'invoque. Parce que la troisième multi, la quatrième multi est gratuite. On crache pas dessus, les gars. Gogeta, la logique me dit de faire Gogeta parce que lui je l'ai pas. Tu vois, il y a deux cartes que j'ai pas sur le détecteur. Là, j'ai... bon, allez, oui, il y a aussi les deux, mais ah là là, c'est horrible de choisir. Tu sais quoi, on va faire les trois multi ici. Non, on va faire les trois multi ici. Allez. Parce que j'aurais quand même besoin de... En fait, si j'ai Janemba, je peux envisager de faire le Super Battle Road extrême puissance. Voilà. Après, là, c'est juste la multi à 10 DS, ça va. J'ai 20 DS dans la box, donc ça, c'est pas perdu. Là, je fais juste la multi à 3. Peut-être que je vais le dropper là, comme ça, je pourrais passer à autre chose. La logique dit Janemba. Oh, SSR! Et que j'avais pas. Omega. Oh, ma team a extrême puissance. Oh là là, on me pousse à invoquer. Je ne l'avais pas. Mais du coup, il rentre dans la méta, lui. La team extrême puissance. Eh, c'est le feu ce soir, les gars, là. Je pourrais faire 3 multi ici. Ah, tu sais quoi, je vais juste faire les 3 multi les 3 multi à réduction. Je pense que j'aurai encore de quoi. Gogeta. On va sur Gogeta. Après, Buan, est-ce que j'ai besoin de Buan? J'ai pas Kid Buu. Après, c'est lui en fait. 400 DS, un seul SSR Golden Freezer Tech et la SSR garantie. Oh putain, ça fait mal. Hein. Ah oui, bon, on va faire ça là. Bon, j'espère que. Hein, j'espère que. Je vais avoir moi Golden ou Buan. Ouais, c'est vrai que le ticket SSR garanti, j'avoue que. Ouais. La logique me fait que je dois invoquer. Oh là là, c'est le festival ce soir, c'est le festival. Les SSR, plus de SSR. Oh là là, oh là là. Deuxième doublon. Oh là là, ma team Dragon Maléfique là. Oh là là, les gars. Oh là là, c'est le feu. Abonnez-vous. Deux, c'est qui lui? Oh, c'est Hit. Je l'avais pas en plus. Bah, je suis content. En plus, il a un éveil, je crois. Ou pas encore sur la globale, je sais plus. Bah, abonnez-vous, hein, regardez la luck. La luck sur cette chaîne, elle est époustouflante. Donc, abonnez-vous. Ce serait dommage de rater toute cette luck. Je vous la donne, hein. À la fin de la vidéo, je vous la donne. Tête de Wom, je vous la donne. C'est vraiment, je rigole pas. Je l'envoie par Uber Pigeon. Il a un éveil Brice. Ok, cool. Encore une autre carte TUR. Après, bon, il a pas été respecté le hit. Hein, je voudrais pas dire, mais. Ok, on monte l'aspect encore. J'espère en avoir 9. Comme ça, je vais pouvoir spé 10. Ah, bah, c'est... très bien, d'accord. Ils m'entendent. Je te donne ma luck. Merci beaucoup, frérot. Sur Gogeta Intelligence, critique ou l'attaque sup. Alors, Gogeta Intelligence, c'est attaque sup en priorité. Bon, bah, un SSR que je n'avais pas, on met le cadenas. Et l'autre, il servira à. Au sacrifice. Pour monter les stats. Du coup, peut-être que je pourrais envisager. Si je drop couleur. Enfin, il me faudrait couleur, en fait, pour faire l'extrême endurance. Le super. En fait, là, actuellement, je réfléchis. Attention, le bye bye ou une carotte. Oh là là, j'ai peur. Bye bye, s'il te plaît. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Ce soir, c'est quoi le 24 là? C'est quelle date? C'est pas la Saint-Brice? Mais la Saint-Brice est déjà passée. C'est quoi ça? Est-ce que je vais avoir un Buan?
Travailler chez Bamboo, je savais qu'on allait dire ça. Non, là, je suis en train de réfléchir au Super Battle Road. Comment je vais faire en tant que free-to-play? Comment je vais réussir à faire ce mode de jeu? Je sais que je peux faire le Super Tech en théorie. Mais les autres, comment je vais faire? Après, je suis pas obligé de tous les faire. Si j'ai un seul Gohan, c'est bon, c'est beau gosse. Mais je sais que je pourrais pas faire les 10, c'est sûr. Je sais pas comment je vais faire. Après, à partir du moment où t'en as un, c'est bon, t'es. C'est-à-dire que t'as fait le mode le plus dur du jeu. C'est quand même pas mal en tant que free-to-play, hein. Là, clairement, je vais pas mettre le moindre centime sur mon compte global. Je vois pas l'intérêt, en fait. Ah, ça, c'est. Là, vous pouvez lancer le. Alors, les gens qui sont subs sur ma chaîne, vous pouvez mettre le sel. Vous savez, le. L'émoticône sel. Alors, après, il est pas dégueu, hein. Il a un éveil avec Fierce Battle. Et je l'ai utilisé dans ma méta Extrême Puissance. Hein, il a donné du ki à Broly. Et je suis content. Hein, je suis content de l'avoir eu. Donc, il est pas dégueu. En fait, il y a des cartes qui sont pas ouf, en vrai. Mais qui servent à certains moments. Donc, moi, je l'ai utilisé le Super C17. Donc, je suis content de l'avoir quand même. Bon, bah, au moins un SSR. Bon, on a comme un SSR. On va chercher les DS suite au problème de type. Au problème de type de serveur. Donc, on a les 20 DS. C'est bon, calmez-vous avec le sel. C'est bon, arrêtez les gars. C'est bon. Ah, j'aurais aimé avoir 300 DS de compensation quand même. Hein. 300 DS de compensation, les gars. Oh, j'aurais kiffé, hein. Oh, j'aurais grave kiffé. Bon, dernière multi, et du coup, en théorie, si je fais la. Attends, quand même, vérifier tout à l'heure. J'aurai mon SSR garanti à partir de la 9e. Deux capsules. Hein. Ah, pas d'arc-en-ciel, mais non. Missel et Bojacky. Ah, les vrais savent. Les vrais savent la référence. Oh là là, encore. Mais c'est pas possible! Oh, c'est Noël pour moi ce soir! Oh, c'est Noël! Mais c'est. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Ah, ça, c'est mon karma, ça. Ça, c'est mon karma. Et le karma des frérots, ça c'est le karma. C'est mon karma et le karma des frérots. Attention les gars, attention. Ouh, ici à la TTF, on est châteux. On est châteux ou on ne l'est pas. Attends, ça fait combien de SSR là depuis tout à l'heure? C'est le Black Friday Luck? Eh, j'avoue, c'est peut-être le Black Friday. Tiens, en parlant de. Ah! Voilà, le SSR, regarde, bah, le SSR, il est là. Du coup, j'ai droppé sa cousine. En parlant du Black Friday, j'en profite pour vous en parler. Actuellement, sur ma boutique, les illustrations. Enfin, toutes mes illustrations. Enfin, toutes les produits sur ma boutique sont en promotion. Donc, le lien se trouve dans la description. Et récemment, j'ai ajouté les produits. Enfin, les illustrations de Guillaume, voilà, qui a converti son travail et qui l'a mis à disposition sur le site public. Donc le lien se trouve dans la description. Donc voilà, c'est l'occasion de se faire des mugs, des coques d'iPhone, de Samsung, des t-shirts. Donc là, il y a le Gotenks de Halloween. Et là, vous avez le Gogeta SS, non, le Végéto SSJ4 qui a été réalisé en octobre. Et vous pouvez aussi acheter des coussins. Ça, c'est nouveau, ça, c'est un nouveau produit. Donc voilà, j'en profite pour faire un peu de promo. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'est le Black Friday. Alors, les gens qui mettent chat sur le chat, je le vois. Pour l'instant, comme je suis en VOD, Oh oui! Oui, je l'ai! Enfin, je l'ai! Je suis content. Alors là, je suis grave refait. Je peux envisager à terme de faire l'Extreme Z Battle. Parce que lui, c'est l'homme du match. Hein. C'est celui qui va tanker. Maintenant, il me faut le Golden Freezer Ange. Maintenant, mon seul objectif sur la globale, c'est de paquer jusqu'à Golden Freezer Ange. Et là, les gars, le Goku SSJ3, je vais lui expliquer la vie. Donc là, je suis grave content parce que c'est lui qui tank. Hein. Ah, j'ai besoin de lui. Ah, il m'a sauvé le boulas à plusieurs reprises. Hein. Donc 2 SSR, c'est pas mal. Hein. Moi, j'avoue. Je suis grave content, les gars. Là, je suis refait. Donc le Black Friday, les gars, voilà, le lien de ma boutique se trouve dans la description. À chaque fois qu'on fera une illustration qu'on vous proposera en fond d'écran, bah, à chaque fois, il y aura une déclinaison en produit dans la boutique. Ça permet de soutenir Guillaume. Hein. À chaque fois que vous achetez un produit, en fait, il y a un pourcentage qui est reversé à Guillaume. Il y a aussi un petit pourcentage qui m'est reversé. C'est pas ouf, mais le geste compte. Enfin, ouais, ce petit geste. C'est comme si tu faisais une petite donation, on va dire. Petite donation d'un euro ou 2 €. Donc, nous avons le Golden Freezer Tech. Et ça, c'est bon bail. Ça, c'est très très bon bail. Bon, elle, je l'avais pas. Toujours pas d'éveil sur la globale, sur la Jap. Je sais pas ce que. Je sais pas si là un jour elle aura un éveil, elle. Ah, je crois que je l'ai utilisé dans ma team extrême agilité.
Elle a transformé l'équipe pour. Oui, j'ai utilisé pour la team Extrême Agilité. Si je dis pas de bêtises. Hein. Bon, dernière multi-invocation gratuite. Et après, on va s'arrêter là. Il me reste 14 pierres, les gars. Faut que je trouve 6 DS. Non, là, faut que j'arrive à trouver 50 DS pour faire une 9ème multi. 650 DS, pas de Gogeta, ni de Janemba puissance. Ah, j'ai mal pour toi, frérot. Comment on fait pour faire partie de la TTF? Bah, tu t'abonnes, tout simplement. Et c'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est ouvert à tout le monde, sauf aux rageux. Hein. Je le dis, je le répète. Parce que les rageux, c'est pas compatible. Hein. Parce qu'ils ont un karma. Ils ont un karma un peu salé, tu vois. Un karma qui drop pas. Hein. On aurait pas dire. C'est à la 8ème. Ah bon? Le ticket, c'est à la 8ème multi? Ah ouais? Ah ouais. Bon, on va voir ça alors. Ah, Lucas OTV, ça faisait longtemps. Ah cool, j'aurai le ticket SSR garanti là. Ok cool, Lee Shenron, là je crois que je l'ai SP5 ou 6 là. Encore 3 ou 4 et je serai serein. 290 DS, 14 SSR. Ah bah beau gosse frérot. Alors je suis un peu fatigué les gars, hein. J'ai un peu faim, j'ai pas encore mangé. Je me suis dit, allez, on invoque devant les frérots, ça peut porter la chance. T'as fait le Battle Road Neo God. What? Ah bah pas de SSR cette fois-ci pour la dernière invocation. Et là on a le ticket. Ticket personnage garantie A. Ah faut pas faire 9. Excusez-moi hein, bah je découvre tout ça aujourd'hui. Je suis pas hyper au taquet comme vous avez pu le voir. Ah mais c'est pas mal, attends on va récupérer tout ça. Non ça a aucun rapport ça. Il est où mon ticket? Oh attends, il y a une DS là. Attendez, on crache pas sur les DS. Ah, y a pas de DS. Hein. Ça, c'est combien de DS? 10. Oh, je suis pas loin. Je vais essayer de faire mes multis sur Janemba quand je aurai 7 DS. Il me faudrait encore 20, 40. 20 et 40, ça fait 60. Donc, il m'en faudrait 45. Ok, on a le ticket. Eh, ce soir, c'est la fête, hein. Bon, du coup, on a un SSR garanti, c'est ça. Hein. On va checker le détecteur, c'est quasiment le même. Alors, pourquoi pas lui? C'est bon. Non. Oui, lui, oui, je l'ai pas. Bouane, les gars, il me fuit. Voilà, Gogeta, je l'ai déjà. Lui, je l'ai pas, mais voilà. Bouane, s'il vous plaît, ou à la limite, Gogeta, pour le critique. Allez, donnez-moi votre énergie, les gars. Dernière invocation. Dernier SSR de la soirée. C'est parti. Oh, un Shenron, encore une fois. Ah, ce soir, il m'a squatté. Hein. Les gens sur le chat sont quand même mauvais. Hein. C'est marrant, mais c'est les mêmes qui drop pas. Un Golden Freezer Tech. Très bien. C'est pas perdu. Ce sera le critique qui sera débloqué. C'est pas perdu, comme je l'ai dit. Hein. C'est votre gars sûr. Il me reste encore des tickets si je dis pas de bêtises. Il me reste. On va tout claquer, allez, on va claquer ça. Après, le détecteur, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est. Full foutage de gueule. Hein. C'est. Il y a tellement de points que je sais pas. Après, on peut dropper le Goku SSJ3 là. Ah, si je le drop, ce serait parfait pour finir la soirée. Le Kid Buu et lui là, ce serait parfait. Bon, je demande beaucoup, je sais, mais. Oh, voilà, on ne sait jamais, hein, sur un malentendu. Après le reste, je les ai, je crois. Ah, Goten, je l'ai pas celui-là. Ah oui, je l'ai pas lui. Il passe ZTER, il sera hyper chambé lui. Lui aussi, je l'ai pas. Bon, on va arrêter de rêver, on va se taper deux vieux SR, vous allez voir. On va se taper. on va se taper qui? On va se taper. Une Bulma et une Chichi, vous allez voir. Oublie pas les tickets des autres. Vous oubliez pas les autres tickets? Oui, il y a aussi le ticket pour Janemba, ouais. Gogeta intelligence critique ou additionnel? Additionnel. Un appât. Bon. Ça vaut 500 points chez Baba. Allez. Sur un malentendu. Regarde tes tickets des cadeaux. Mais c'est ce que je viens de faire. Double bout, Gohan. Ce serait parfait. Bouane, j'ai toujours pas en fait.
Et non, c'est un Goten qui servira à monter l'aspect des autres Goten si j'en ai. Bon, il me reste 2 tickets. Moi, pour moi, ce soir, j'ai gagné. Hein. Je suis gagnant, les gars. 230 DS. C'est les 230 DS les mieux dépensés de ma vie. Hein. T'as pris les 42 DS, oui. C'est les 240 DS les mieux dépensés de ma life, les gars. Plein de SSR que je n'avais pas. Tout ça pour moi, c'est des nouveautés, les gars. C'est bien d'être free to play en fait. Tu te contentes de ce que tu as et c'est pas mal. Vous êtes encore 4700 sur le live à me regarder dropper des SR. Ah, arc-en-ciel, peut-être que sur un malentendu, je vais avoir le Goku SJ3. Alors là, si j'ai le Goku SJ3, le chat est en PLS. Là, j'annonce. J'annonce clairement. Et ben non, c'est un Bardock. Qui passera SJ3. Et oui, celui-là passera SJ3 dans pas longtemps sur la Jap. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va du coup checker rapidement ce qu'on a droppé ce soir. On va juste vérifier si j'ai plus de tickets. Oui, j'ai plus de tickets. Ah, mais là ce soir, festival. Hein, festival, les gars. Liste de perso. On va faire par date. Et on veut voir que les SSR. Donc on a droppé. Waouh, 10 SSR. En 240 DS. Ça veut dire beaucoup, hein, clairement. J'ai fait 8 multi, ça fait 80 cartes. J'ai un taux drop de 10% et quelques. Parce qu'en fait, 8 multi, en général, c'est 10%. 8 multi, en général, on devrait avoir un SSR par multi, donc 8 SSR. J'en ai 10, donc j'ai un taux drop un peu plus supérieur à 10%, c'est genre 12, à peu près 12%. Alors lui, je l'avais pas, j'ai oublié de mettre le cadenas d'ailleurs. Je suis un fou, moi. Celui-là, je l'avais pas. Ah, mais je suis fou, j'ai pas mis de cadenas, là. 20% me dit. Bon, je suis peut-être pas... Je suis un peu fatigué pour faire des maths, les gars. Bon, je suis grave refait, là, plein de cartes que je n'avais pas. Dont El Famoso, Seigneur. Voilà, les amis. Jean-Michel Minute, il est là, en fait. Bon, bah sur ce, les amis, merci d'avoir regardé cette VOD. Merci de votre soutien, comme d'habitude. Hein, compte free-to-play, les gars. Hein, maintenant, ça s'arrête ici pour moi, les invocations. Je vais peut-être essayer d'invoquer juste les multi avec réduction sur Janemba. Après, je vais packer pour Golden Freezer Orange. Voilà. Pour moi, c'est la seule méta catégorie la plus impressionnante et qui va me permettre de faire pas mal d'events. Donc, il me faut Golden Freezer Orange et ce sera tout. Voilà. Et bon, si j'arrive à avoir Bojack, El Famoso Bojacky. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette VOD. Portez-vous bien. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, c'est très important. Abonnez-vous, les amis. Parce qu'il y a plein de gens qui regardent encore mes vidéos sans s'être abonnés. Donc pensez à vous abonner. Et sur ce, à très bientôt sur Dokkan Battle. Si vous voulez voir mes précédentes vidéos, bah, cliquez sur les playlists. Là, c'est pas compliqué. Portez-vous bien. J'espère que vous avez droppé du jour. Je renvoie la luck. Voilà, j'envoie ma luck à tous les frérots. Voilà, je vous la donne. Voilà, c'est bon, moi, j'ai fini. Hein. Je la donne. Allez, c'est cadeau. Passez une bonne journée, à très bientôt. Ciao !